Bonjour à tous et bienvenue sur Nyon Région Télévision pour une nouvelle émission sportive sous le soleil de Colœuvray, parce que Colœuvray était au cœur de l'événement le week-end dernier. Beaucoup de manifestations, on va vous en parler justement dans cette émission. Et c'est une émission que nous allons passer en grande partie en compagnie de Léa Sprunger. Bonjour Léa. Bonjour. Première question, comment ça va? Comment va le moral? Ça va. Je suis très très occupée, j'ai beaucoup de choses en ce moment, donc c'est vrai que j'essaie de... Ça aide à oublier cette fin de saison qui est pas des plus belles. On a beaucoup parlé de vous effectivement ce dernier mois. Rio, Atletissima, où ça ne s'est pas bien passé pour vous. Est-ce qu'avec un petit peu de recul, on arrive à effacer cette frustration, cette déception, ou c'est dans la tête encore? Non, c'est encore bien là, c'est bien présent. Il faudra du temps, il me faudra de la pause, des moments loin de stade d'athlétisme, loin du monde, de ce monde-là, pour essayer d'oublier. Là, c'est encore trop là, mais comme je l'ai dit, je suis occupée avec d'autres choses, donc ça m'aide à relativiser un peu et puis à quand même oublier. Ce sont deux événements importants évidemment dans la saison, mais qui ne doivent pas occulter le reste de la saison, qui jusque-là était exceptionnel pour vous. Oui, c'est ça. C'est que jusqu'à le couac de Rio, il y a eu des choses incroyables avec une médaille de bronze au championnat d'Europe, plusieurs records suisses, dont celui du 200 mètres. Donc c'est vrai que c'était une saison incroyable, la plus belle saison que j'ai eue jusqu'à maintenant. Et ça aide à relativiser et puis à se dire que j'ai pas fait tout faux, c'est juste qu'il y a peut-être trop eu et puis que maintenant je suis dans une période creuse et c'est comme ça, ça fait partie du sport. Vous l'avez dit, il y a peut-être trop eu. Vous pensez que justement, il y a eu trop de compétition, trop de pression? C'est dur à analyser ce qui s'est vraiment passé. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de moments forts en fait, où j'étais vraiment depuis le mois de juin, toujours sur un petit nuage, tout en haut des émotions. Toutes les courses que je faisais, elles étaient bonnes, on parlait de moi, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et puis voilà, je ne suis pas une machine, donc au bout d'un moment, il y a un creux qui s'est installé. Malheureusement, il est venu trop tôt dans la saison et je pense que là, il y a eu un problème, une erreur peut-être de planification de notre part et puis c'est toutes des choses qu'il faudra analyser. Ça veut dire quoi? C'est que le pic de performance, il est justement arrivé un petit peu trop tôt? Non, je pense pas qu'il est arrivé trop tôt, vu que l'objectif principal, ça restait les championnats d'Europe, où je pense que c'est mon niveau actuel, et je voulais absolument aller chercher cette médaille, ce que j'ai réussi à faire. Et après, le pic de forme est resté peut-être un peu plus longtemps que prévu, avec encore la Diamond League à Monaco, puis les championnats suisses avec ce record suisse sur 200 mètres. Et puis, on n'a pas réussi à refaire un down, plus de nouveau un deuxième pic de forme. Et puis, ouais, je pense que c'est ça l'explication la plus plausible que je trouve, en tout cas aujourd'hui. Bon, il vous reste une course encore cette saison, le Weltklasse à Zurich. Est-ce qu'on va réussir, vous allez réussir à finalement gommer cette frustration de fin de saison sur cette dernière course? Non, je pense pas. Je pense que là, les dés sont jetés. Je vais pas réussir à tout d'un coup retrouver mon niveau de début de saison. Je vais faire de mon mieux. J'ai plus d'attente du tout. Ça, c'est clair. Je me fixe pas d'objectif. J'ai envie de prendre simplement du plaisir et puis essayer de montrer une prestation qui sera pas trop laborieuse. Allez, vous restez avec nous Léa, parce qu'on va parler de la Romande Energy Run dans un instant. C'est ce qui vous occupe aussi et ce qui vous change les idées. On va d'abord évoquer le Festival des Sports. Vous étiez présente ici d'ailleurs au Festival des Sports. C'était dimanche dernier. C'est une immense manifestation organisée par l'ASSN, l'Association des Sociétés Sportives Nyonnaises. Plus de 5000 personnes ont participé à différentes initiations, découvertes. Ça a permis justement à tous ces gens-là d'essayer toutes sortes de discipline, et Joël Brunner était sur place. Nyon, ville de sport, impossible d'en douter en regardant ces images. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à ce 13e Festival des Sports de la ville de Nyon. Bravo.
jeunes aiment le sport et on a une liste d'attente incroyable. On a de nombreux membres, à peu près 280 membres. Moins de membres, par contre, du côté de l'escrime, mais la passion est là. C'est un sport qui est c'est une petite ruche, mais il y a beaucoup de philosophie, beaucoup d'entraide, il y a du fair play, il y a les enfants comprennent beaucoup de choses, savent se servir d'armes. Et il faut qu'on essaye de faire venir l'escrime à nous. La journée la plus importante pour le club, parce que c'est là qu'on peut montrer ce que c'est le touring, vu que c'est un sport qui n'est pas très médiatique et pas très connu. Il y a des monitrices et des autres athlètes à disposition toute la journée. Elles sont là pour montrer que ce sport est quelque chose de très intéressant et très complet, qui allie danse, chorégraphie, technique du bâton, donc c'est très très complet. Le beaucoup d'enfants qui viennent grâce à cette journée où ils ont pu venir tester, ils ont pu venir voir, les parents ont pu avoir des informations sur la saison de hockey. Le tir est un sport marginal à Nyon. Est-il trop difficile pour les enfants ? Je dirais oui, mais ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de discipline quand même. Alors voilà, là, ceux qui viennent, qui veulent chercher ça, ils trouvent chez nous. C'est un sport génial parce que c'est un sport d'équipe et parce qu'il faut être très intelligent et rapide. Après, il y a aussi des fonctions de communautaires, hein, le sport d'équipe, de vivre ensemble, de partager des réussites comme des échecs ensemble, et puis de pouvoir affronter la vie dans cette école qui est extrêmement importante, qui est le don de soi. À la piscine de Colovray, les 12 heures de natation et les animations ont également rencontré un vif succès. Normal pour une ville qui recense plus de 3000 enfants dans ses différentes sociétés. Ce constat impose que les politiciens se soucient de son développement. Et bonne nouvelle, les nouveaux municipaux sont prêts à s'engager pour la construction d'un centre multisport sur le site de Colovray. Oh oui, c'est une priorité parce que le sport, c'est avant tout la jeunesse, c'est le ciment de la société, c'est ce qui va permettre aux jeunes d'avoir des amis, de créer des équipes, de créer une véritable symbiose dans leur manière de vivre. Je fais moi-même partie du comité d'organisation du triathlon, donc j'ai conscience des besoins sportifs dans la ville de Nyon. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, effectivement. En 1993, on parlait déjà du centre sportif. Je pense qu'il y a une réelle volonté d'y arriver. Voilà, maintenant à nous de mettre toutes les chances de notre côté dans cette législature, mais je souhaite que le projet avance. Beaucoup de monde donc ici à Colovray dimanche dernier. Et il y aura du monde encore le 11 septembre à l'occasion du semi-marathon de la côte qui est devenu le roman d'Energy Run. C'est votre course, Léa, c'est votre bébé. C'est justement ce qui vous permet d'oublier un tout petit peu les déceptions sur la piste de ces dernières semaines. Oui, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est mon bébé. C'est énormément d'investissement, de travail. J'ai de la chance d'avoir une collègue incroyable qui bosse pour moi sur la manifestation pendant que je suis engagée dans ma saison à moi, donc tout le mois de juillet, août. Et puis là, j'ai de nouveau du temps pour me consacrer à ça. Et puis c'est une course qui prend de l'ampleur gentiment et j'espère que ça va continuer d'année en année. Elle s'installe gentiment justement dans le calendrier des courses populaires. Oui, c'est notre but. On s'est laissé quelques années pour atteindre cet objectif. Et puis d'année en année, on arrive à attirer plus de monde. On adapte aussi un petit peu notre offre. On augmente les distances. Et puis c'est tout des petites choses qui vont faire que j'espère dans quelques années, on va être une course incontournable. Mais c'est difficile de se faire une place parce qu'il y a tellement de courses. Alors l'une des grandes nouveautés cette année, c'est justement un parcours un peu plus court, 20 km pour certains ou un petit peu plus, hein. Ça pouvait sembler beaucoup, c'était important de proposer une alternative. Oui, c'était l'objectif déjà de la première année, après on s'est pris le temps pour faire les choses bien, on voulait vraiment imposer la course du semi-marathon et puis maintenant on s'est dit que c'était venu le temps d'ajouter une distance plus courte, donc on est parti sur un 10 km qui va partir depuis Gland
et puis suivre principalement le parcours du semi-marathon en faisant quelques crochets dans Prangin et dans Gland pour arriver à la distance des 10 km. L'avantage, c'est que c'est un très joli parcours déjà. On emprunte le bord du lac, donc il n'y a pas trop de difficultés, je dirais, au niveau des dénivelés. Hein. Ça, c'est quand même un avantage et ça permet justement au plus grand nombre de s'inscrire. Oui, c'est ça. On a, sur le parcours, c'était une grande difficulté d'entrée de jeu. Nous, on voulait quelque chose d'attractif. Donc, avec la région de la côte, on est bien servi. Et puis, c'est vrai que c'est un parcours roulant avec un dénivelé négatif. Donc, c'est théoriquement un parcours facile, même si les derniers kilomètres d'une course restent difficiles. Les enfants, vous ne les oubliez pas, évidemment. Hein. C'est important de proposer des courses aux enfants. Ils seront à l'honneur tout au long de l'après-midi. Oui, c'est justement une nouveauté pour nous. C'est qu'avant, ils étaient placés le matin et ils n'étaient pas forcément mis assez en valeur. Et puis, c'est quelque chose... les enfants, ça me tient vraiment, vraiment à cœur parce que c'est l'avenir. Et puis, il faut leur donner goût à la course. Il faut leur donner goût, exactement. Donc, on a essayé de les... On a tenté de les mettre l'après-midi cette fois avec le premier départ à 1h30 pour qu'ils soient encore un peu dans la fête des derniers arrivants des courses des adultes et puis essayer de prolonger la fête plus longtemps. Et puis je pense que pour les familles, c'est aussi plus adapté pour pouvoir courir toute la famille sur la Romande Energy Run. Quels objectifs est-ce que vous êtes fixé en termes de participation pour cette année ? Bah, c'est clair qu'on veut battre le record de participation des années précédentes. Avec l'ajout du 10 km, c'est quelque chose qui devrait se faire assez facilement. Là, on est déjà en avance par rapport aux autres années, à peu près 15% d'inscriptions supplémentaires. Donc, passer la barre des 2000, ça, c'est l'objectif principal. Ouais. Et on peut s'inscrire jusqu'au dernier moment, c'est l'avantage. Oui, les inscriptions online sont ouvertes jusqu'au 9 septembre. Après, on est obligé de les bloquer d'un point de vue logistique. Mais c'est vrai que le jour même, on peut encore s'inscrire sur les différents départs. Donc, si on veut participer au relais ou au semi-marathon, c'est à Laman, au 10 km à Gland ou bien les enfants ici à Collevray. Et ça, jusqu'à une heure avant le départ. Et puis, un autre point important, c'est que pour organiser une telle course, il faut des bénévoles. Et toutes les manifestations sportives recherchent constamment des bénévoles. Vous m'aviez dit là, tout à l'heure que vous n'étiez pas trop mal, mais s'il y en a quelques-uns qui se proposent encore, vous les prenez ? Oui, c'est vrai, on les prend vu que maintenant on a l'objectif d'instaurer un quatrième ravitaillement, surtout pour la course du 10 km. Donc on aimerait des bénévoles supplémentaires pour ça, mais c'est vrai que oui, les bénévoles, c'est le nerf de la guerre, c'est ceux qui font tourner la manifestation. Et déjà, je remercie tous ceux qui sont déjà là, mais c'est vrai que s'il y en a quelques-uns qui veulent encore s'inscrire, on est preneurs. Merci beaucoup Léa, c'était un plaisir de vous recevoir, non pas sur notre plateau aujourd'hui, mais d'être ici dans votre élément à Collevray. Plein succès pour cette fin de saison d'athlée et puis plein succès évidemment pour cette course, la Romande Energy Run, le dimanche 11 septembre. Donc merci beaucoup merci Léa. À vous. Et puis tout roule pour le Stade Nyonnais, auteur d'un excellent début de saison dans son championnat de Promotion League. Samedi dernier, le Stade a battu la réserve du grand FC Bâle, une victoire qui permet aux joueurs nyonnais de rester dans le haut du classement, quatrième place actuellement après 5 journées. Alors Joël Brunner s'est rendu au match et c'était l'occasion pour nous de faire le point sur ce début de saison, le bilan et puis surtout de se projeter dans l'avenir et de discuter des objectifs de cette saison. Pendant 20 minutes, on a bien joué, on a fait ce que j'avais mis en place. Puis après, c'est quand même une belle équipe qui s'entraîne plusieurs fois par semaine, c'est tout, je pense, des professionnels. Ils ont des bons joueurs. On a reculé un petit peu, on a joué un petit peu moins bien. Puis après, on a marqué. Et puis après, jusqu'à la mi-temps, on l'a tenu. Je peux me retenir satisfait de la première mi-temps. À la pause, j'ai dit à mes joueurs, j'ai félicité, mais j'ai dit que c'était beaucoup difficile. D'ailleurs, ça s'est confirmé parce que la deuxième mi-temps, c'est plus le même Stade Lyonnais qui est rentré sur le terrain. Bah, c'est toujours une équipe dure à jouer, hein, c'est sûr. C'est des jeunes, ils ont eu leur objectif, c'est de jouer en première équipe à Bâle. Donc, bien sûr, ils viennent, ils sont premiers, ils veulent tout donner. Maintenant, bon, nous, on a beaucoup d'occasions en première mi-temps. Heureusement, on marque le premier but. On doit gagner de 3-0 à la mi-temps.
Aujourd'hui, il nous manquait beaucoup de joueurs importants qui n'étaient pas là. Donc c'est vrai qu'on a fait tourner le groupe. Donc cette victoire elle nous fait du bien et pour le groupe entier. En plus, on a eu la chance de marquer assez rapidement les 2-0. Et puis après, on a mis le match presque en sécurité à l'abri. Mais dans le foot, pendant moi, ça fait 22 ans que j'entraîne, j'ai perdu aussi des matchs à la fin. C'est pour ça, un petit peu, j'explique mon énervement à la fin. Enfin, les joueurs, ils savent que j'ai écrit sur eux. Mais après, ce n'est pas ce que je voulais dire vraiment. Mais comme entraîneur, c'est très difficile. Parce qu'après, Bâle, il a marqué un super goal dans la lucarne. On ne peut rien faire. Et nous, on a arrêté. Depuis là, on a arrêté de jouer. On a peur toujours qu'ils reviennent. Ils ont poussé, ils ont fait rentrer des joueurs offensifs. Nous, on a beaucoup donné en première mi-temps, donc on a vu un petit peu de la fatigue, c'est clair. Mais on a essayé de maîtriser dans l'ensemble. Ils n'ont pas des grosses occasions, mais ils nous ont mis en difficulté. Oui, c'est vrai qu'on a joué moins bien qu'à Rapperswil. Moi, je vais être dans les trois premiers Noël. C'est un objectif très élevé, très ambitieux, on ne sait pas. Parce que tout, ça dépendra de ça. Si on est à Noël là, on peut engager d'autres joueurs si on veut. Essayer de chercher, de faire jouer la montée pour aller en Ligue B. Et puis après, on pourra demander la licence. Mais ça, ce n'est pas mes problèmes. Ça, c'est des problèmes du comité. Pour nous, c'était important le début. On voulait arriver à 4 matchs 10. Bon, ben, on est à 5 matchs 10. On a eu cette défaite. Ça nous fait peut-être du bien d'avoir perdu à Rapperswil. Maintenant, on va confiant à Tugen, on va recevoir All Boys. Oui, non, c'est sûr. Notre objectif, on le tient. On travaille beaucoup pour ça. Et on vient de l'apprendre, le Stade Lyonnais se renforce dans le secteur offensif en engageant Loïc Anderson. Cet attaquant de 19 ans, fils du célèbre Sonny Anderson, devra toutefois encore patienter quelques jours pour démontrer tout son potentiel sous le maillot du Stade. Le temps pour les dirigeants d'obtenir les papiers nécessaires. Et pour conclure, on va revenir sur la course de VTT de la Barillette qui s'est déroulée dimanche dernier avec 437 athlètes qui se sont lancés à l'assaut des différents parcours. Le soleil était au rendez-vous. La victoire dans la catégorie reine est revenue au Neuchâtelois Émilien Barban, grand spécialiste de la discipline. Et puis Ilona Chavaya s'est imposée chez les dames. On va donc se quitter sur ces belles images de VTT. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sportif sur Lyon Région Télévision. À bientôt.